Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la miniature l'indique, aujourd'hui, on va parler du cœur au soleil. Alors, avant de vous parler du cœur au soleil, je voulais vous parler de la loi de Brandolini. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, c'est une loi que j'apprécie beaucoup et que finalement, je suis occupé à vivre aujourd'hui depuis maintenant bientôt 2 ans. La loi de Brandolini, c'est quoi? C'est quand une information fausse est donnée en une fraction de seconde ou en 1 minute par une personne qui a une très très grande audience, il faut des semaines, des mois, voire des années pour rétablir une certaine vérité par rapport à cette information fausse qui a été donnée. Alors aujourd'hui sur YouTube, on vous donne toute une série d'informations bonnes ou mauvaise, et malheureusement, ce n'est pas toujours les chaînes avec le plus de notoriété, le plus d'abonnés ou le plus de vues qui donnent des bonnes informations. Alors, j'essaye à mon niveau de rétablir une certaine vérité, même si je le dis, je ne maîtrise pas et je n'ai pas la vérité, mais j'essaye en tout cas de vous donner des vraies bonnes informations. Alors, je fais très rarement ça, mais si vous considérez que cette chaîne est très informative, que les informations qui s'y trouvent sont bonnes et intéressantes pour les personnes qui veulent travailler le bois, eh bien, je vous dirais partagez les vidéos, parlez de cette chaîne, abonnez-vous, l'algorithme YouTube augmentera et ça permettra de diffuser ce message au plus grand nombre et permettre au plus grand nombre qui souhaitent travailler le bois, de travailler en sécurité et dans les règles de l'art au maximum. Et comme je le dis, je ne maîtrise pas tout et je ne fais que partager ma méthode et mes connaissances en sachant que des méthodes, il y en a plusieurs, mais en termes de théorie, généralement, il y a rarement 36 possibilités. Comme je le disais, on va parler du cœur au soleil. Alors, on dit beaucoup, beaucoup de choses sur le cœur au soleil, pour l'extérieur, pour l'intérieur. Et donc, je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer le principe, d'où ça vient et quand on l'utilise. Avant de savoir ce que veut dire le cœur au soleil, il faut pouvoir déterminer c'est quoi le cœur. Alors, quand on parle de cœur, on parle évidemment du cœur de l'arbre. Ici, j'ai un carré qui représente le cœur de l'arbre. Pour de vrai. Donc ici, on a vraiment le cœur de l'arbre et tous les traits de crayon que vous voyez représentent des planches qui auraient été coupées de ce même arbre, comme on pourrait le retrouver sur des plots d'une boule, comme vous pouvez voir ici en image, ou tout simplement une fois débité en planches, comme vous pouvez voir sur ces images. Donc il faut comprendre que le cœur, c'est vraiment le cœur de l'arbre. D'accord? Après, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer où se situe le cœur sur une planche, finalement, qui se situe sur le dessus de l'arbre? Donc, vous avez sur une boule, vous avez toute une multitude de planches, évidemment, et donc, fatalement, la planche qui se situe au-dessus, il n'y a pas de partie de cœur. Donc, pour pouvoir déterminer où se situait le cœur de l'arbre sur la planche que vous avez en main, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous regardez les cernes annuelles. Alors, les cernes annuelles, c'est quoi? Eh bien, ce sont les lignes ici que vous voyez qui ont une forme circulaire ou demi-courbe, peu importe, donc qui suivent finalement la courbe de l'arbre, d'accord? La circonférence de l'arbre, d'accord? Et puis, vous avez aussi les rayons médullaires. Alors, les rayons médullaires, c'est quoi? Ce sont des fin canot, alors sur le sapin ou sur le Douglas, les résineux, etc., c'est plus compliqué à voir, mais sur le hêtre ou sur le chêne, c'est assez perceptible visuellement. Et donc là, ce sont des canaux qui partent du centre de l'arbre et qui vont vers l'extérieur de l'arbre. D'accord? Donc ça, c'est les deux manières de déterminer finalement où se situe le cœur de l'arbre sur votre planche. Alors, il suffit finalement de comprendre que, étant donné que les cernes tournent comme ceci, le cœur de l'arbre, il se situe ici en dessous. Sur cette planche-ci, on voit bien d'ailleurs la forme quasiment du cœur, donc on doit être quand même assez proche. Par contre, lorsque l'on a ce genre de planche,
c'est des fois un petit peu plus compliqué puisque les lignes sont relativement droites. Alors, on va essayer de regarder sur les extérieurs la forme que celle-ci prend, la courbe. Est-ce qu'elle va courber plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut? Donc ici, on voit bien sur les extérieurs qu'elle courbe vers le bas. Donc, on imagine bien que le cœur se situe ici. Donc, une fois qu'on a déterminé et qu'on sait où se situe le cœur sur notre planche, maintenant, on va essayer de comprendre dans quelle situation on va utiliser l'expression le cœur au soleil et surtout comprendre d'où vient cette expression. Alors, l'expression le cœur au soleil, elle vient de l'époque des couvreurs ou des charpentiers qui utilisaient des planchettes, des bardeaux de bois pour faire les couvertures en toiture ou les bardages extérieurs des bâtiments. Et donc, on mettait le cœur au soleil, c'est-à-dire le cœur vers l'extérieur, vers la pluie, vers le soleil, d'accord? Parce que le bois va tirer toujours vers l'extérieur de l'arbre. Imaginez que l'arbre est serré avec une sangle. Dès que vous allez retirer cette sangle, hop, automatiquement, il va vouloir s'ouvrir. Et bien ici, on a le cœur, et bien la planche, elle va vouloir s'écarter du cœur. Donc on a le cœur ici et ça bombe sur le dessus. Pourquoi? Ben parce que quand on va faire une toiture, eh bien les planchettes vont être superposées les unes aux autres. Donc on voit bien hein, qu'il y a un creux comme ceci, un creux comme cela. Et donc la planche qui revient par-dessus, on voit d'ailleurs très bien le creux ici en dessous, eh bien l'eau va pouvoir s'écouler à droite et à gauche du bardeau, redescendre sur celui qui est à côté et en bas, et ainsi de suite pour aller jusque dans la gouttière. Donc le cœur au soleil, c'est vraiment pour que l'eau puisse s'écouler plutôt que d'être dans une cuvette. Si vous avez un creux comme ceci, ça va créer une cuvette. L'eau va stagner, pénétrer dans le bois et donc pouvoir aussi créer des infiltrations d'eau. De plus, généralement, ça c'est pas toujours le cas, donc ce n'est pas une règle absolue, mais la fissure a tendance à se créer de l'autre côté. Plus on va s'éloigner du cœur, plus c'est vrai, d'accord? Mais si vous êtes au plus proche du cœur, ce n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire que la fissure peut se créer du côté du cœur. Donc ici, on voit bien une planchette avec le cœur sur le dessus, on voit de nouveau qu'elle est bien bombée, et bien au-dessus, elle est propre, et sur l'arrière, on a donc une fissure qui s'est créée, d'accord? Donc en mettant cette planche-ci verticale comme bardage, eh bien on est certain que l'eau ne pénétrera pas dans la fissure puisque la fissure se situe derrière. Mais là, à prendre avec des pincettes dans le sens où il peut arriver que des fissures se créent sur la partie extérieure. Donc ce n'est pas une règle absolue. Par contre, le côté bombé, si vous le mettez cœur au soleil, c'est toujours dans ce sens-là que le bois va travailler. Alors, à partir du moment où on a déterminé où se situe le cœur, et qu'on a compris qu'on met le cœur au soleil parce que le bois bombe du côté du cœur, dans quel cas est-ce qu'on va utiliser cette formule et dans quel cas est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser et qu'on doit adapter finalement cette formule? C'est assez simple, on va l'utiliser uniquement quand on prend une planche dans sa totalité. Je m'explique. Si je dois faire un bardage extérieur, je vais avoir une planche complète comme ceci, donc avec le cœur au soleil, rainurée, languettée, elle va s'emboîter. Celle-ci va travailler bombée, celle du dessus va travailler bombée, la suivante bombée, etc., etc. Ça veut dire que ces planches par planche vont travailler bombées, bombées, mais elles ne sont pas collées entre elles. D'accord? Ça, c'est important de savoir. Donc, si vous faites un bardage extérieur, c'est une planche bombée, la suivante bombée, la suivante bombée, sans assemblage collé. D'accord? Si vous voulez faire une marche d'escalier, par exemple en extérieur, et que vous la faites d'une seule pièce, c'est-à-dire que votre pièce de bois est suffisamment large que pour faire la marche d'escalier, vous allez utiliser de nouveau cette formule, le cœur au soleil, vous allez mettre le cœur sur le dessus de la marche, ben voilà, pour qu'elle se stabilise quand elle va rentrer dans les entailles, elle va être pressée, donc elle va déjà se re-rigidifier et se restabiliser. Et puis avec le poids de la personne qui va marcher dessus, etc., à l'utilisation, elle va également se stabiliser vers le bas. Si on met le creux, donc si on met le cœur vers le bas, ben on a déjà un creux et on va créer une panse de vache. Et en plus de ça, quand on va l'emboîter dans l'encastrement
des limons, on risque de voir un jeu ou un jour qui se crée sur le dessus de la marche, entre l'entaille et la marche. Parce que quand vous allez la rentrer, même stabilisée, comme je le dis, avec le temps, elle va creuser. En plus, souvenez-vous, j'ai dit, la fissure, elle a tendance à se faire à l'opposé du cœur. Ça veut dire que si une fissure devait se créer sur la marche d'escalier, elle se créerait sur la partie visible de l'escalier. D'accord ? Donc, bien penser à ça. Je rappelle, si la marche est effectuée en une seule planche. Après, on va revenir sur les assemblages de planches. Okay ? Après, il y a la possibilité également de faire du bardage vertical. Pareil, une planche, rainurée languettée, une planche, rainurée languettée, une planche, etc. Les planches travaillent individuellement. Vous pouvez faire aussi planche contre planche, hein, sans assemblage, rainurée languettée, mais en tout cas, on ne les colle pas entre elles. Okay ? Ça, c'est très important. Ensuite, les limons d'escalier, on va aussi se tracasser du cœur au soleil. On va essayer de mettre le cœur à l'intérieur de l'escalier pour les mêmes raisons que je viens d'expliquer avec le jour, c'est-à-dire que le limon va travailler vers l'intérieur de l'escalier. Contre le mur, le limon de nuit, ben, automatiquement, s'il courbe comme ceci, donc s'il courbe comme ceci, imaginons le mur est là, eh bien le dessus du limon plaquera contre le mur et ma marche restera bien emboîtée dedans. Étant donné qu'elle doit être en fond de butée, la marche va être stabilisée. Si maintenant je le mets comme ceci, eh bien le creux est à l'intérieur, je risque d'avoir un écart dans le fond de ma rainure avec ma marche, ça va peut-être créer un grincement d'une part, un ajustement disgracieux, mais en plus de ça, entre mon mur et le limon, un espace peut se créer. D'accord ? On est bien d'accord ? Si j'ai un mur ici, mon limon va travailler comme ceci, un jour va se créer entre mon limon et mon mur. Tandis que comme ça, eh bien, mon limon sera plaqué contre le mur, au-dessus, en dessous, et mon ajustement sera bon, et la marche qui est à l'intérieur va maintenir quelque part ce mouvement du bois qui pourrait se créer. De nouveau, c'est dans le cas où le limon est fait en une seule pièce. Donc si vous avez une planche qui fait 24 cm d'un tenant, ça peut arriver, des 8,23 en Douglas, des 8,23 dans toutes les essences qui est possible et inimaginable, pour lesquelles vous allez faire des limons, ou bien des 10,30 que vous allez refendre, bon, peu importe. Si c'est d'une seule pièce, que vous êtes sur de la dosse ou que vous êtes sur du faux quartier, pensez le cœur à l'intérieur de votre escalier. Donc ça, c'est une seule pièce, attention. Si vous devez maintenant assembler des panneaux entre eux, des planches entre elles, que ce soit pour l'intérieur et l'extérieur, parce que certaines personnes pensent que lorsqu'on utilise du bois en extérieur, on doit toujours avoir le cœur au soleil. Dans tous les cas, ce n'est pas vrai. Le cœur au soleil, c'est uniquement quand c'est une planche individuelle. Une fois qu'on va assembler différentes planches entre elles, alors là, il faut commencer à refendre les planches et bien inverser les fibres du bois. Je vous montre de suite. Alors maintenant, on va parler d'assemblage de panneaux et de planches entre elles. Aussi bien en intérieur qu'en extérieur, je le dis, le cœur au soleil, l'expression peut être aussi bien utilisée en intérieur qu'extérieur, ben, l'exemple de l'escalier par exemple. Imaginons maintenant, on doit faire une marche d'escalier avec une multitude de planches en extérieur, puisque souvent on nous explique que le cœur au soleil c'est important pour l'extérieur. Eh bien, si je mets le cœur au soleil sur les deux planches qui sont les unes contre les autres et que je les colle, donc je les fais ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre planche va bomber totalement et dans sa totalité. Ça veut dire que là, c'est une petite planche, hein, ça doit faire 25 cm au total, donc j'ai collé la planche ici à gauche, la planche à droite, et on voit bien qu'elle bombe. Si j'avais fait la même chose avec une troisième et de nouveau avec le cœur au soleil, eh bien ma planche aurait bombé encore beaucoup plus et donc j'aurais eu 1 cm, voire 1,5 cm de jour sous la planche. C'est déjà arrivé, j'ai déjà vu justement dans les stagiaires qui ne connaissaient pas le principe du collage entre les fibres et l'inversion des sens de fil, eh bien on a un creux qui se crée. C'est des choses qui arrivent, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, eh bien, on va toujours inverser le sens des fibres, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, pour les plateaux de timbre ou n'importe quoi, c'est la même chose. Chaque fois que vous allez faire un plateau, c'est les mêmes règles plus ou moins à respecter. Alors, attention que
Inverser les fibres ne veut pas dire conserver une planche complète. Je vous explique pourquoi. Dans ce cas-ci, j'ai coupé une tranche de la planche qui est là derrière, je vais vous montrer après. Eh bien, j'ai le cœur en bas et le cœur en haut, comme vous pouvez voir sur l'image. En ayant laissé la planche complète, étant donné que là on est sur du Douglas et donc généralement c'est de la dose, on voit bien donc ici le travail du bois, c'est-à-dire elle tire vers l'extérieur du cœur là sur la droite et elle tire vers l'extérieur du cœur ici à gauche. Et donc on voit bien qu'elle monte. Si je colle une planche et l'autre planche, même en inversant les fibres sans me tracasser des cœurs, etc., regardez ce qui se passe, eh bien on a une vague qui se crée. Parce que la planche cintre, comme ici, dans sa totalité. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va refendre le bois, qu'on soit aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Imaginez une marche d'escalier, vous la collez comme ceci, ben voilà, j'ai mis une planche comme ça, j'inverse, je colle, j'inverse, je colle. Eh bien, votre marche d'escalier, elle a cette forme, c'est-à-dire qu'elle va faire une vague et donc ça va se sentir même au toucher. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se retrouve avec un panneau où on a le cœur ici au-dessus à gauche et le cœur ici en dessous à droite. À partir de là, eh bien, ma planche, donc, comme vous l'avez vu auparavant, puisqu'on le voit ici, elle fait des vagues. Ensuite, je vous montre comment il faut procéder. Eh bien, on refend au centre de la planche du dos et on va venir inverser notre planche comme ceci pour avoir le cœur en bas, le cœur en haut, d'accord ? Et ici, on va avoir la même chose. On va retourner, on a le cœur qui est des deux côtés, donc ma planche risque de cintrer. Donc je retourne, donc je ne la retourne pas comme ça, hein, parce que là j'inverse les fibres, en effet, celle-là monte, celle-là descend, mais non. Donc on retourne la planche comme ceci, d'accord ? Et donc on a le cœur en bas, le cœur en haut et l'extérieur. Alors, pour vous assurer que votre plateau finalement est bien assemblé, eh bien vous allez voir les fibres du bois, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire que la parallèle de la fibre, on voit bien, elle part vers la droite, elle part vers la droite, elle part vers la droite et elle part vers la droite. Si je n'avais pas inversé et que j'avais juste fait retourner la fibre, vous allez voir que vos fibres ne sont pas toujours dans le même sens. Ça va vous permettre de stabiliser votre panneau. Que vous soyez en intérieur, que vous soyez en extérieur, vous faites une marche d'escalier avec un collage, vous devez respecter ce principe. Vous faites un panneau pour un ouvrage extérieur, vous devez respecter ce principe. Que ce soit des jardinières, que ce soit des potagers, que ce soit n'importe quoi, des clôtures ou autre, à partir du moment où vous avez un collage de panneaux à faire, vous devez inverser les fibres et refendre si vous êtes sur de la dosse ou même du faux quartier, etc. Okay ? Voilà, c'était une petite information finalement concernant le cœur au soleil. Comme je le dis, beaucoup d'informations sont données sur Internet, souvent soit fausse, soit incomplète. Cette vidéo est probablement incomplète. Il y a probablement encore beaucoup plus de choses à dire sur le cœur au soleil. Mais comme je l'ai toujours dit et je le répéterai, les vidéos informatives, techniques et pointues ou précises, elles ne se font pas en 5 ou 10 minutes. C'est des vidéos longues. J'ai compris à mes dépens que les vidéos longues ne fonctionnaient pas et donc l'information est perdue. On a fait 2 vidéos sur la sécurité et sur la santé et les risques liés au travail du bois au niveau de la santé, cancer des poumons, etc. C'est 2 vidéos qui font un peu plus d'une heure. Les gens ne regardent pas. Donc j'ai décidé de revenir à un format beaucoup plus court, avec probablement moins d'informations pointues, ou en tout cas dans la totalité, mais je ferai plutôt une multitude de vidéos de ce style-là, en allant plus loin, et donc en repartant de la base, finalement, de la menuiserie, aussi bien au niveau de la sélection des bois, que de l'organisation, que de la technique, que de la réflexion autour des projets, etc. Juste me laisser un peu de temps parce que ben là, comme je l'ai déjà dit, je suis dans les abeilles et puis ensuite je dois partir en France pour aménager, enfin je dois partir en France pour
poser les châssis de mon appartement. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur la pose de ces châssis et puis je reviens sur les projets. Comme j'avais déjà dit, c'est pas perdu, c'est pas oublié, c'est toujours en cours. Le dressing de madame, notre cuisine, etc., etc. Et je viendrai sur tous les détails. Et comme je le dis, si vous aimez ce contenu et que vous voulez vraiment apprendre et que vous considérez que ce contenu est intéressant, eh bien, partagez, partagez. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir, je ne le demande jamais. Et s'il vous plaît, abonnez-vous. Plus on sera nombreux à diffuser les bonnes informations et plus on pourra donc combattre la loi de Brandolini. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!